Peggy 18. Monsieur Donovan, j'aimerais savoir, d'où tenez-vous votre connaissance aussi détaillée de New Bordeaux? Comme si j'allais le dire à des connards comme vous. Monsieur Donovan. Bon, New Bordeaux, c'est plus qu'un simple point sur une carte. C'est un assemblage de quartiers, de cultures, de gens. Mon boulot, c'était d'écouter et d'observer. D'identifier les bonnes cibles. De fournir un plan à Lincoln. Il faisait le reste. Pourriez-vous nous donner un exemple de ce que vous dites? Ouais, ok. Prenez Del Rey Hollow, où Lincoln a grandi. Del Rey regorge de fierté, d'espoir. Mais derrière ça, il y a la peur, la colère, le sentiment qu'on n'aura jamais rien sans se battre. T'es qui, toi, putain? Frisco Field. Pelouse impeccable, sourire éclatant, le charme du Sud. Mais ça, c'est du spectacle. Des faux semblants. Même un couteau qui sort de la manche d'un costume trois pièces peut vous trancher la gorge. Le quartier français. Repère de tous les fantasmes et de toutes les perversions possibles. Mais si vous ne faites pas gaffe, ces tentations se retourneront contre vous et finiront par vous tuer. Le Bayou. C'est un bel endroit. Plutôt calme. Mais aussi féroce, sauvage, imprévisible. Ah ouais, point de Verdun. Un peuple fier, ces Irlandais. Ce qui fait marcher le quartier, c'est le whisky et la hargne. Les gens là-bas, ils lâchent rien. Jamais. South Downs ressemble à un charmant petit quartier ouvrier. Tranquille. Convivial. Mais c'est qu'une façade. Pour cacher la violence. Et l'anarchie. On pourrait facilement prendre Barclay Mills. Et Tickfaw Harbor pour de simples zones industrielles. Mais pour ça, il faudrait fermer les yeux sur toute la brutalité et sur les accidents de travail. De centre-ville, le cœur palpitant de New Bordeaux. Du béton, de l'acier, les rouages du gouvernement. Et il faut constamment huiler tout ça à grands coups de corruption. Et puis il y a River Row. Tout ce putain de quartier est juste une lutte armée perpétuelle. Tout ça est très poétique, monsieur Donovan. Mais cela n'explique pas... Comment Lincoln Clay a fait pour retourner toute la ville à l'été 1968? Il l'a fait en maîtrisant la seule chose que tout le monde à New Bordeaux est capable de comprendre.